Welcome. Bienvenue. Dislike. Vous avez entendu? Je dislike. Dislike. Je me désabonne. Dislike. Je me désabonne. Non, ils arrivent. Arrêtez! Aujourd'hui, je vais peut-être perdre des abonnés. Et peut-être que mes vidéos feront moins de vues, ouais. Mais c'est terminé. J'arrête. J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! Les tutos! Les tutos! Les tutos! C'est fini. Vous aurez peut-être remarqué que les dernières vidéos ont une thématique un petit peu différente des précédentes, mais en fait, pas forcément. Non, non, non. Parce que sur la chaîne de base, je faisais du contenu sur les jeux vidéo. Mais c'était pas fou, vu que c'était principalement des best-of Twitch. Mais il y a quelques années, qui correspondent à mes débuts sur l'Internet... Internet. J'ai aussi sorti des vidéos d'humour avec des plutôt bons retours. Et puis avec le temps, entre ma chaîne Twitch, le boulot, la vie perso, j'avais plus forcément la motivation ni le temps de continuer. Donc j'ai seulement sorti quelques vidéos tutoriels qui ont aussi plutôt bien marché. Alors pourquoi le contenu change et tu arrêtes les tutos si ça fonctionne bien, me direz-vous? Ou pas? En fait, je me suis éclaté, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des vidéos, comme Gagner de l'argent, qui est une vidéo parodique, ou la vidéo 100 000 abonnés, qui est un jeu de mots, parce que on les a pas. 100 000 abonnés. Je vous invite à les regarder pour comprendre. Et je pourrais, je pense, sortir au moins une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de tutos encore. Mais je vous avoue que mon truc, et ce que j'aime par-dessus tout, et même dans la vie de tous les jours, c'est de faire rire les gens. Donc j'ai pas envie de m'enfermer toute ma vie dans des tutos pour faire des vues. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, entre les vidéos tutos, j'ai commencé à glisser un petit peu des vidéos humour, divertissement. Et quitte à faire que quelques vues, faire rigoler qu'une dizaine, voire une centaine de personnes, au moins je préfère créer du contenu qui me ressemble vraiment. Je cours ni après les vues, ni après les abonnés. Et comme j'ai deux coronesses, je m'en bats les couilles. Mais pour être plus sérieux, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt la réussite. Et mon objectif principal, c'est surtout de divertir et vous proposer du contenu de qualité, vous voyez. Puis après tout, j'aurais pas sorti les vidéos tuto pour rien. Ça m'aura appris à tourner des vidéos face caméra, vous voyez. Ça m'aura appris à faire du montage, ça m'aura appris à écrire et penser des vidéos, même à la façon d'amener mon contenu, même à créer des miniatures, tout ça quoi. Donc au final, c'est bénéfique, je m'en fous, j'ai appris plein de trucs qui vont me servir pour la suite, c'est cool. Après, en ce qui concerne les tutos, j'ai fait ça parce que je trouvais cool d'aider des gens passionnés. Mais forcément, à un moment donné, faire des tutoriels, c'est assez ennuyant, hein, si je veux dire. Si on compare au fait de créer et divertir, créer à chaque fois quelque chose de différent, de nouveau, des vidéos plus travaillées mais aussi plus difficiles à faire du coup. Bah déjà ça motive, ça donne un petit challenge, puis ça évite aussi de tomber dans ce petit côté redondant un petit peu où on se fait chier la bite quoi. Du coup les contenus un petit peu similaires que je vais proposer sur la chaîne, ça sera sûrement des unboxings sur des produits qui me plaisent de temps à autre pour vous les faire découvrir. D'ailleurs si quelqu'un veut faire profiter la chaîne d'un produit particulier, ma chaîne est ouverte au partenariat. Une autre petite chose qui va changer sur la chaîne, c'est la régularité. Les vidéos jusqu'à maintenant, elles sortaient un petit peu n'importe quand, une fois tous les 4 mois, et je les tournais comme ça, voilà, sans réfléchir un petit peu au feeling, comme « Hey, on fait quoi demain? On tourne une vidéo ?» Donc ça a branlé de toute façon. Aujourd'hui, j'ai envie d'être plus régulier, et comme vous aurez pu le remarquer, enfin j'espère, c'est que je travaille aussi un petit peu plus la qualité des montages, ce qui demande un peu plus de temps. Donc au lieu de sortir plusieurs vidéos par semaine, dans un premier temps, je vais essayer de sortir au moins une vidéo tous les week-ends. C'est une bonne nouvelle, non? Et pour l'instant, du coup, bah, j'ai déjà 2 ou 3 semaines d'avance à peu près sur les sorties de vidéos. Donc quand j'aurai produit beaucoup plus de vidéos et que j'aurai beaucoup plus d'avance, peut-être sortir une vidéo de plus par semaine. Et pour l'instant, déjà, je vais essayer de m'y tenir une vidéo tous les week-ends. Alors, le jeune, t'as mal les couilles? Ah, super. On bosse. Et tout ça, on bosse pour rien. On est là, charbon. Tous les jours. Moi, je me... Tous les jours, j'ai mis ma caméra. Je fais le con, ça. Bonjour. Welcome, bienvenue. Ta gueule, enculé. Tout ça, pourquoi? Pour que tu me dises, t'as mal les couilles. Allez, chier, c'est bon. Du coup, j'ai pas mal de vidéos en tête. Je spoilerai pas. Les spoilers, on les accueille comme ça, ici. Easy peasy lemon squeezy. Après, en termes d'idées, il y aura des vidéos à concept comme un streamer presque parfait, par exemple. Ou même les vidéos doublage. J'étais caché. Mais il y aura aussi des vidéos plus simples, comme des vidéos réactions, des vidéos anecdotes, des vidéos à thème, des vidéos branlettes. Allô? Ah, ça bug!
Du coup, il y a encore beaucoup de chemin à faire, la chaîne va encore changer, évoluer, s'améliorer, partir dans l'espace! Faut que j'arrête d'accepter, moi, quand les mecs ils me disent « Tiens, tu veux du crack ?» Comme ça, que je vais dans la rue, tranquille. « Tiens, tu veux pas de la bonne weed de sa mère ?» J'arrête, ça me défonce le cerveau. On disait quoi, déjà? Ah ouais, la chaîne. Ouais, donc, ça va changer, bon. Peut-être me casser la gueule, je sais pas. J'en sais rien, je vais peut-être aussi perdre mon temps, mais au moins, j'aurais fait ce qui me plaît, et j'aurais tout donné. Tout donner. Excusez-moi, j'étais dedans. Je vais me donner à fond. Voilà, je pense que c'est le plus important dans tous les cas. Du coup, j'espère que vous ferez bien sûr partie de cette aventure, nouvelle aventure qui commence. Et merci à ceux qui suivent et soutiennent la chaîne. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui m'entouragent. Qui m'entouragent ? Eh ! Entouragez-moi un peu, là ! Putain ! Tu n'as jamais quelqu'un pour t'entourager un peu, là ? Putain, c'est quoi cette connerie ? Voilà, donc je tiens à remercier ceux qui m'encouragent. Je déteste les gens qui font ça. J'espère que cette nuit, vous ne dormirez pas. Donc, on va y arriver, vous inquiétez pas. Merci, du coup, à ceux qui m'encouragent dès que je fais un contenu un petit peu différent. De temps en temps, je reçois un petit message d'encouragement, un petit MP, un petit commentaire, quelque chose. Ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et si je le fais, bien évidemment, c'est d'abord pour vous divertir, pour vous amuser, pour qu'on puisse s'amuser ensemble sur l'Internet. Donc c'est aussi grâce à vous, grâce à la force que vous me donnez. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, vous avez un pouce vers le haut. Et qu'en cliquant dessus, il deviendra bleu. Mais aussi que le bouton rouge avec écrit s'abonner, lui, deviendra gris. Ce qui soutiendra la chaîne, bien évidemment. Si c'est déjà le cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye!